Reviens. Viens. Non, il est reparti. Hein, non. Coucou Mariam. C'est parti. Donc les enfants ont déjà pris leur petit déjeuner. Hop, j'ai préparé mon café, ma tartine. On va monter. Alors on va monter à l'étage. Donc j'ai rempli les gourdes d'eau. Ça c'est vraiment important parce qu'à chaque fois, elle me demande, maman, est-ce que je peux descendre chercher de l'eau? Est-ce que maman, je peux ceci, je peux cela? Donc du coup, je prends les gourdes d'eau avec moi en haut. Ce matin, Harlan est avec nous, donc ça va être un peu la fiesta, je pense. Ok. Rania, t'as choisi ta robe? Oui. J'ai même pas choisi. C'est Mariam m'a posé pour moi. C'est Mariam qui a choisi pour toi. Oui, bah je voulais pas. Bah tu peux changer alors. T'es pas obligée de porter celle-là. Alors ça c'est important, elles font leur toilette le matin et je leur demande de choisir une tenue parce que voilà, j'aime pas quand elles bossent en pyjama. On se sent mieux quand même quand on est habillé, on est plus motivé. Allez, on monte. Donc là, Harlan il est occupé, ça c'est bien. Ce que je vais faire c'est que je vais me connecter au site. Alors je vais me connecter au site du CNED. Pour avoir à disposition. Regardez, c'est exactement ça. Hein. Franchement, Story About Coffee Getting Cold. Ça, c'est une petite boutique en ligne. Je me souviens plus du nom. Je vous l'ai partagé sur Instagram qui vend plein de petits trucs super sympas. Et effectivement, mon café, je vais le boire à la fin. Froid, comme toujours. Allez, hop, on se connecte au CNED. En attendant, les filles, on commence. Donc, on commence donc avec la dictée. Donc là, ça se corse un petit peu. Habituellement, ce sont des petites syllabes. Là, ce sont des petits mots, mais des mots qu'on a vus. Qui sont assez simples. Un mouton. Oh, what is this? This. Raton. Donc là, on est en train de faire le français. Donc c'est toujours dans le même ordre en fait. Ça diffère un petit peu de temps en temps, mais en général, ça commence toujours par le français. Donc lecture et compréhension. Ensuite, on a l'écriture, lecture de texte, etc. Donc ici à chaque fois, c'est noté si c'est autonomie ou accompagné et environ la durée de l'activité. Donc ici 20 minutes accompagné. Et si dans les cadres vous avez les indications, par exemple pour la dictée, donc il y avait les mots, mais ce que je fais en général, c'est que des fois j'en rajoute ou je pioche d'autres mots. Voilà. Donc là, coloris d'une même couleur les mots et les syllabes qui les composent. Donc j'essaie aussi de travailler sur les consignes, sur la compréhension des consignes. Comme là par exemple, coloris d'une même couleur les mots et les syllabes qui les composent. Rania avait du mal à comprendre, donc on en a fait un ensemble. Et ensuite j'ai réexpliqué, donc on a relu la consigne. Voilà. T'as terminé Mariam? Alors, les différentes couleurs. Voilà, vous l'aurez peut-être constaté, mais Harlan n'est plus là. Donc, Ahmed a une présentation. Donc, il y a certaines matinées. Je le fais garder de 10h à midi, donc 2h, et c'est amplement le temps. En fait, c'est le temps qu'il nous faut pour bosser. Et l'après-midi, ce qui est bien, c'est qu'on travaille quand il dort. Bon, bon. Il y a deux syllabes dans le mot bonbon. D'accord. Où est-ce que tu entends le son « on » Dans le milieu de le mot et dans la fin du mot. Ouais, mais là, regarde, Mariam, il n'y a pas de milieu. Bon, bon, il n'y a que deux syllabes. Dans la première. Oui, première syllabe. Et la dernière syllabe. Très bien. Comment il écrit le son on? Dans pompier. Comment O-M. Il écrit? Alors, pourquoi il écrit OM, les je filles? Je sais pourquoi il y a un P. Pourquoi? Parce qu'il y a un P. Voilà, parce qu'il y a un P après. En bleu, si tu vois... Mon, oui. En vert, si tu vois rond. On y va. Il a un chapeau pointu. Donc là, ici, en fait, j'ai installé la baffe studio en haut, puisqu'en bas, on a autre chose. Lire et comprendre des textes. Et on va chercher... C'est quoi le titre, Rania, du j'ai dit Rania, c'est quoi le texte de le titre Julie. Du texte? T'es sûre que c'est Julie? On y va, vous écoutez? Oui. Vous suivez avec vos doigts, les filles, et vous écoutez bien parce que vous allez devoir dessiner Jules, d'accord?
Jules est un petit sorcier. Il a un chapeau pointu avec une lune dessinée. Il a un rat noir. Il l'adore. Il a un pantalon et une veste noire. Il a un chapeau pointu. Allez, on passe aux mathématiques. On écrit le nombre qui vient avant. 23. Donc là, pendant qu'elles sont en train de remplir les bandes numériques, vous voyez, mon café il est toujours froid, hein, il est toujours là. En attendant, je me suis connectée et donc en attendant, j'ai préparé la prochaine activité donc en anglais. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, aujourd'hui, on va faire les nombres de 10 à 30. Day is it today, Maria, Rania? Today is Friday. C'est la fin. Très bien. September. Ok. Today is sunny. Ah, attends, j'ai pas encore posé la question, madame. C'est Rania, je t'ai juste demandé la date. C'est très bien. Tu veux rajouter l'année ou pas? Est-ce que tu te souviens de l'année? L'année, c'est 2020. Comment on dit 2020 en anglais? 200. Non, pas 200. Non, c'est pas 200. 2022. Très bien. 22. What's the weather like today? Today it's sunny. Ok. Mariam, regarde le ciel. Est-ce que tu vois qu'il y a. Est-ce que c'est que sunny? Today it's cloudy. Est-ce que c'est que cloudy? Non, today. Donc Rania vient de dire qu'il y a du soleil, c'est vrai. Mais il y a quoi aussi? Il y a des. Il y a quoi? Tu viens de me dire? Clouds. Donc on peut dire quoi? Today it's sunny and cloudy. Ok, c'est parti pour la musique. Les filles, vous êtes prêtes? Mariam, donc tu commences? Donc le premier couplet c'est. Et des portes aussi. Fenêtres, pleines de fenêtres. Oh là. J'ai une maison pleine de fenêtres. Il est exactement 11h30 et dans 20 minutes Haroun arrive. Donc là, c'est nickel, on arrive justement. Au dernier exercice, donc on a fait entre-temps on a enregistré ici les bruits familiers à l'intérieur de la maison. Donc il faut dessiner combien de... Je ne les vois pas tes coccinelles. Ah ok. Tu m'en dessines combien, Mariam? Tu lis la consigne? 3. Ok, 3 à l'extérieur. Et donc après, on va devoir faire le bilan, mais ça on va le faire l'après-midi durant la sieste. Ok, voilà, on se retrouve dans la cuisine. Donc du coup, le midi c'est vraiment des recettes très simples. Donc j'ai fait une soupe de légumes et j'en ai fait en plus. Et alors ici j'ai des petites pizzas maison thon légumes que j'ai congelées en fait. J'en fais plusieurs. Je vous avais montré ça il y a longtemps sur Instagram et je congèle comme ça du coup. Ben voilà, c'est plus rapide. Ok, you can take. On se retrouve pour la suite. Cet après-midi, ça va être vraiment light puisqu'on est juste en train de faire le bilan. Ici, elles ont un petit labyrinthe à colorier. Et ensuite, on va se connecter et faire les activités interactives. Donc l'après-midi va... Je pense qu'on a juste besoin d'une petite heure pour faire ça. Hey, re-coucou les filles, voilà. Je ne vous ai pas oublié, mais j'étais juste occupée à mort parce qu'en fait, le vendredi... J'ai une personne qui vient me faire le ménage et en fait, on fait ensemble. On fait ensemble et du coup, moi, ça me permet vraiment de faire le gros ménage. Donc là, vous voyez, la maison est nickel. On a vraiment fait le grand nettoyage. Donc voilà, pareil, tout est rangé à l'étage. Je vais remettre du coup. Voilà. Donc voilà, j'ai bien ouvert en grand et on va laisser sécher avant de remettre le tapis. Je vais vérifier l'état du tapis puisqu'hier, j'ai lavé deux tapis. Avec les filles, on s'est éclaté. Franchement, on a mis de l'eau dans la terrasse et on a lavé les tapis à la main, comme à l'ancienne. Donc ça, c'est un tapis berbère, je vous l'avais déjà montré, en laine. Vous voyez, il n'est pas encore sec. Il est presque, mais je vais encore le laisser un peu au soleil. Voilà. Je vais lancer un peu d'eau courant et aller me doucher, m'habiller. On se retrouve tout à l'heure. Hello. Voilà. C'est bien. Vous voyez enfin ma tête depuis ce matin. Ah, j'espère que vous allez bien. Wow, il fait super beau aujourd'hui. Je vais faire un petit soin vite fait, franchement rapide, naturel, 100% naturel. Donc rendez-vous sur Instagram, with Hasnabi. Je vais vous poster ça sur Instagram. Donc j'ai tous mes petits produits qui sont là et on va y aller tout doucement et se dépêcher parce que je vais bientôt devoir
et se dépêcher parce que les enfants rentrent bientôt. C'est parti. Du coup, voilà, écoutez, un petit moment de calme avant la tempête. Non, je rigole. Je me suis fait un petit jus céleri. Céleri et quoi? Céleri et pomme. Et un peu de gingembre. C'est super bon. Je vais attendre que ça sèche et donc je vais terminer mes stories. Et ensuite, je vais juste répondre à des emails. Et ça sera déjà l'heure du goûter. Ça passe trop trop vite. Ça passe trop vite. Il y a plein de moments que je ne vous ai pas montré parce que c'est juste pas possible. Franchement, c'est difficile de vloguer, de gérer en même temps les enfants. Bref quoi. Surtout qu'aujourd'hui, j'avais pas prévu de vloguer. Voilà. Allez, je profite de mes dernières minutes. Ça y est, tout le monde est rentré. Donc Amélie est rentrée avec les enfants. Et j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Je vais même filmer une vidéo en plus concernant la prière. Je vous ai même filmé une vidéo en plus, donc super cool. Voilà, donc là on va faire un petit unboxing sur Instagram. Tiens, les liens, mais je vous en parle très vite aussi. Bonjour. Elles sont trop excitées parce qu'elles attendaient ça depuis un petit moment. Est-ce que tu te souviens laquelle t'as choisi? Attends, maman va mettre stop, on va passer sur Instagram. Rendez-vous sur Instagram. Oui, ça sera bien. Ça y est, c'est officiel, c'est le week-end. Ouais, purée. Franchement, moi le vendredi. À partir du vendredi, je ne touche plus rien. Vendredi soir, je ne cuisine plus. Samedi, dimanche non plus. Parce que franchement, voilà, la semaine, c'est quand même très prenant. Donc du coup, en général, le samedi, dimanche, je ne fais rien. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rappelez de ces petits gâteaux de notre enfance? Maman, quand elle était petite, elle mangeait des gâteaux comme ça. Est-ce que je peux en avoir un? Oui. Oh, merci. Quelle couleur tu peux prendre? D'accord. Ça c'est comment dire, c'est pineapple, pineapple, ça c'est apple, ça c'est fraise, ça c'est vanilla. Ok, je vais prendre fraise. Mmh. Partons quand il y a des cartons partout. C'est le week-end. Ouais, on a bien travaillé cette semaine, hein. Bon week-end. Qu'est-ce que vous allez faire les filles? Des couronnes. Ok, super. C'est moi à penser de ça. On arrive à la fin de la vidéo, bah écoutez... Je viens d'allumer mon PC, enfin. Il faut que je me relance dans la suite de ma formation de design d'intérieur. Je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Et donc là, je suis en train d'apprendre en fait à utiliser le logiciel SketchUp. Donc du coup, Haroun... Ok, voilà, Haroun, il n'arrête pas de me couper. Donc du coup, je me suis connectée et là, je vais... avancer un tout petit peu avant le dîner. Je pense qu'on va sortir ce soir, on va faire un tour du côté de l'aéroport à Jewel et on va manger là-bas un petit bout. Si vous voulez plus d'informations concernant la formation, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Lien de parrainage, ils sont en train de jouer à cache-cache, qui vous donne droit à 100€ de réduction. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.